Salam tout le monde, bienvenue dans la chaîne YouTube de l'Art Matin. Aujourd'hui, nous allons présenter un nouveau roman, Le Peuple du Nyalingba de Aïda Aissatou Diéba Bodian. Nous commencerons notre émission par une présentation de l'auteur. Aïda Aissatou Diéba Bodian est une enseignante sénégalaise. Après un succès sur son roman Une trajectoire difficile, aujourd'hui, elle nous invite à découvrir Le Peuple du Nyalingba. Pour parler du roman proprement dit, Le Peuple du Nyalingba retrace l'amitié entre un enseignant Vallon et son élève Oula. Quoi de plus ordinaire qu'une amitié entre un enseignant et son élève? Cependant, cette relation sera vue comme une menace pour la maman de Oula. Pourquoi? Parce que tout simplement, Oula est un enfant issu du peuple du Nyalingba. Avant de passer à l'histoire, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le Nyalingba. Alors, le mot Nyalingba est une création de l'auteur. Elle a juste pris Anyalenao du Djola et Dimba du Mandé, mais c'est la même signification. Et c'est juste pour montrer une pratique qui se fait sur des femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants ou bien dont la progéniture n'arrive pas à avoir une grande existence. La maman de la fait partie de ces femmes-là qui ont été choisies par le Nyalingba. Donc, c'est grâce à cette pratique qu'elle a pu avoir Oula. Elle a même changé de nom parce que ce sont les conditions de ce rituel. Il est donc aisé de comprendre qu'elle verra l'école, la modernité comme une menace parce qu'elle se doit de conserver les traditions qui lient son enfant à ce peuple. Qu'adviendra-t-il à leur amitié? Pourront-ils trouver le juste milieu pour allier tradition et modernité? Cet enseignant continuera-t-il d'enseigner cet enfant ou bien de le motiver, de l'aider à avancer dans la vie sans déclencher la colère des esprits? Vous voulez connaître la réponse? C'est la phrase que j'aime vraiment pas prononcer, mais il le faut. Venez à l'Art Matin. En tout cas, c'est un très bon investissement. Venez découvrir toute la force de caractère et les conditions de vie de la femme rurale. Partant de la discrimination, du viol impuni dans les sociétés. Et avec une très belle découverte de cette pratique du Nyalingba. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une autre présentation. Avec une autre aventure beaucoup plus belle encore. Au revoir, Mboulé Badji.